C'est vraiment se dire, on redevient acteur d'une question fondamentale qui est la question de l'énergie. On a besoin d'énergie, on ne veut pas que ça soit une énergie polluante, comment on fait ? On a décidé de s'y mettre vraiment et puis de prendre un créneau qui est celui de l'énergie éolienne. Ce qui a intéressé les gens, c'est que au lieu de... Bon, je suis un militant écolo depuis pas mal de temps, où on se bat contre. Et là, au lieu de se battre contre, on faisait quelque chose de positif. On avait rencontré un premier bureau d'études qu'on appelle développeur, qui nous avait dit, c'est tout simple, vous signez là, et puis dans 2 ans, c'est fini, quoi. Et puis, au bout de 2 ans, on avait dû abandonner 2 projets, eux ont abandonné, et on a continué tout seul. Mais le virus était là, et puis on ne pouvait plus s'arrêter, quoi. Ce qu'on a créé, c'est une association puis des entreprises qui vont construire des parcs éoliens. Et ensuite, on accompagne d'autres associations qui font le même boulot. Le parc qu'on va construire, là, c'est 4 machines qui vont alimenter en électricité 18 000 personnes. Trouver des partenaires fiables qui ne veulent pas récupérer le projet, donc qui veulent bien que le projet soit porté par des habitants. Donc ça nous a obligés à financer nous-mêmes toutes les études. Et puis ensuite, en fait, c'est moins les aspects techniques qui sont compliqués que les lourdeurs administratives, les lois qui changent. C'est un gros investissement. Depuis 10 ans, en gros, je passe à mi-temps à travailler là-dessus bénévolement. Donc c'est quand même pas mal de temps. On apprend énormément de choses, parce que moi, j'étais pas du tout dans le domaine. Bon, je suis prof d'art plastique. Et au fur et à mesure, finalement, on engrange toute une série d'expériences. Et c'est vraiment un apprentissage collectif qu'on fait, quoi. Et en plus, donc, on a réussi à maintenir cette dynamique, ce qui fait qu'en plus, c'est sympa. Heureusement, parce que sinon, il y a belle lurette qu'on aurait abandonné. Si c'est maîtrisé localement, moi je pense, ou c'est le pari que l'on fait, que en ayant conscience de la complication, des difficultés finalement du prix d'une énergie, ben, on soit un peu plus attentif à ne pas la gaspiller. Et nous, ce qui nous intéresse dans le projet, c'est de mouiller le plus possible de personnes là-dedans pour qu'elles changent leur rapport à l'énergie. Si j'avais su dès le départ le temps que ça prendrait, je crois qu'il faut être naïf pour y aller. Un peu fou, quoi. Un peu fêlé.